Donnez-vous donc la peine d'entrer. C'est ici, au fond, juste devant vous. Et voici le phénomène. N'est-ce pas qu'il est beau, hein? Oui, je lis sur votre visage qu'il produit une forte impression sur vous. D'ailleurs, c'est toujours ainsi. C'est toujours ainsi que les acheteurs réagissent lorsqu'ils se trouvent brusquement en présence du meuble. L'émotion leur coupe la parole. Comme à vous-même en ce moment. Mais remettez-vous, je vous en prie. Ah, monsieur! Quelle fierté! Quelle fierté pour moi qui en suis l'inventeur, oui! Quelle fierté de voir que ces meubles, sortis de vos cerveaux et de mes mains, provoquent à ce point l'enthousiasme! Merci, monsieur. Merci à vous aussi pour toutes les bonnes intentions que vous avez pour moi. Vous allez demander comment je l'ai conçu. Ah, monsieur, rien de plus simple. Je n'ai pas la prétention d'en avoir découvert le principe. Ce genre de meuble existe depuis fort longtemps. Je n'hésite pas à le dire. Au XVIIIe siècle, on les appelait les bavards si j'y suis. J'en ai vu de fort beaux de cette époque-là, avec des pieds rentrés dedans, capsules de rechange, ambiance chez soi et criées de 300 mètres. Le tout recouvert d'un damier, ébène et porphyre, muni de pédales marocaines vernies et agrémentées d'intervalles de séparation. Mon mérite à moi, si mérite il y a, c'est d'avoir retrouvé ces vieux modèles déjà si perfectionnés et de les avoir mis au goût du jour. Tenez ! En haut, tout en haut là, vous voyez cette petite galerie de plâtre doré ? Ça n'a l'air de rien. Et bien c'est pourtant là tout le secret de ce genre de meuble. Si la galerie n'est pas en place, tout le meuble se disloque et l'appareil ne fonctionne plus. Car la galerie, n'est-ce pas, c'est ce qui termine. Par suite, tout ce qui est dessous en dépend. C'est comme dans un immeuble. Le cinquième dépend du sixième, le quatrième du cinquième, et ainsi de suite, jusqu'au rez-de-chaussée. C'est clair. Oui. Je l'ai commencé il y a juste 25 ans. Que de veille, que de soucis m'a coûté. J'y ai mis toute ma science et aussi toute ma jeunesse. Aussi, le meuble était entièrement plein, bondé à craquer de haut en bas. Notez que je le vends avec tout ce qu'il y a dedans. C'est pourquoi j'en veux un bon prix. Ah mais oui, c'est que ce n'est pas un meuble vide, ça, monsieur. Un meuble sans âme, comme il y en a tant. Un meuble qui n'aurait rien dans le ventre. Je vous le dis, c'est plein à craquer. D'abord, il faut bien, n'est-ce pas? Puisque c'est un meuble qui fournit tout ce qu'il lui demande. Tenez. Si vous voulez bien consulter la notice, vous verrez tous les usages qu'on peut en faire. Lisez attentivement. Hein? N'est-ce pas que c'est ahurissant, hein? Voyons, qu'est-ce que vous allez lui demander à mon meuble? Une douzaine d'huîtres, un morceau de musique, la solution d'un problème d'AGEL, une vue stéréoscopique, un jet de parfum, un conseil juridique? Que sais-je, moi? Plaît-il?
Un plus beau. Bon. Va pour le plus beau. Vous êtes modeste. Attendez. Voici. J'appuie sur les touches. P. P. L. U. U. M. M. O. O. Nous avons simplifié l'orthographe. J'arme. Je tire sur la poignée arménagée. Et voici. Vous êtes épaté, hein? Et encore, vous n'avez encore rien vu. C'est qu'il est parlant aussi, l'animal. 100% parlant. Que voulez-vous qu'il dise, hein? Comment? Ah bon? Parfait! Vous allez être satisfait à l'instant. J'appuie sur les touches M, U, S, S, E, T et... Écoutez bien. L'homme est un apprenti. La douleur est son maître. Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Que pensez-vous de cette merveille, hein? Quelle voix! Et remarquez que vous pouvez l'entendre autant de fois que vous voudrez. Ce sera toujours exactement la même voix, exactement les mêmes paroles, les mêmes intonations. Ah mais oui, monsieur, vous avez raison. C'est une bien grande sécurité pour ceux qui aiment les belles choses. Pour vous prouver que je dis vrai, nous allons, si vous le voulez bien, réentendre les mêmes vers dits par la même voix. Qu'est-ce qui se passe? Une erreur? Une simple erreur d'aiguillage. Mais qu'il est imputable à moi seul, non à mon meuble. Il est infaillible, lui. C'est nous, pauvres humains, qui sommes exposés à l'erreur. Tenez, vous allez. Vous voyez le quatrième tiroir, là, en partant du bas et à gauche. Ah non, pas ici, là. Juste au-dessus du petit amour en bronze, surmonté du chapeau de Napoléon. Là, oui, vous y êtes, là. Oh là, oui. Oh, eh bien, sur ce quatrième tiroir, vous voyez la double rangée de boutons. Les boutons rouges en haut, et les boutons verts en bas. Bon, eh bien, si vous tirez le troisième bouton vert, le septième bouton rouge, au lieu de pratiquer l'opération inverse, il se produit un petit décalage que nous appelons dans notre métier le ni vu ni connu. Comme son nom l'indique, c'est un incident sans gravité apparente, mais en réalité dangereux. Parce qu'on ne s'en aperçoit pas. On le corrige par le procédé dit, pas comme je te pousse, nous connaissons le mal, donc nous tenons le remède. Nous disons, quatrième tiroir, septième bouton vert, quatrième rouge,
L'homme est à la douleur quand il est son maître, la douleur est à la douleur quand il est son maître. Oh, monsieur Basile, mais c'est incroyable, c'est inadmissible. Assez, 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 entrez. Veux-tu t'arrêter, mon frère? Entrez. Oh, monsieur, je vous en prie, veuillez excuser mon mari. Il a trop travaillé, c'est ainsi. Je lui ai appris tellement de choses. Je lui ai fait tant de lectures qu'il en est saturé. Ceci d'ailleurs n'était qu'un simple incident. Un tout petit incident mécanique. Il doit y avoir un petit mot dans les conduits avant que ce ne soit les chansons qui aient attaqué le bonheur du niveau central. Une nuit de repos, il n'y paraîtra plus. Mais je ne veux pas vous laisser sur cette fâcheuse impression. Je vais demander à mon homme de vous faire un cadeau pour se faire parler. Voyons, nous allons composer quelque chose de très bien, quelque chose qui sera pour vous un souvenir, même si vous n'acceptez pas l'appareil. Ah, voici, j'ai trouvé. Et maintenant, monsieur, fermez les yeux et ne les ouvrez que lorsque je vous le dirai. Ce sera une surprise. Un, deux, trois, ça y est.